Nigerian under 17 girls, the Flamingos, just defeated Central African Republic by a whopping 6-0, goals scored by Etime Didiong, Nwachukwu Prisca and Moshood Shakirat Abidemi. This is the qualifiers for the under 17 FIFA Women's World Cup. The second leg comes up in Abuja on Saturday the 10th of February 2024. Enjoy the goals and highlight, guys. Viviane Ekessi, le dorsal, avait eu d'énormes présidents. Faustin Kanch, toi diras, c'est parti. C'est rapidement exécuté, c'est direct pour l'Académie de football féminin de la République centrafricaine. Attention avec ce ballon donné dans la profondeur et derrière, belle prise. Allez, de la voix hein, sur le banc de touche de la République centrafricaine, du Nigeria, pardon. Côté centrafricain, on est encore dans l'observation avec ce petit ballon dans les, entre les jambes. Ça va donner à Folabi qui va lever le petit ballon au second poteau là-bas pour personne. Si oui, la gardienne. Ah, c'est très bon ballon donné dans la profondeur. Là-bas, l'accélération, elle a réussi à déposer tous ses jeux derrière l'ouverture du score du Nigeria alors qu'on joue la 13e, la 14e minute de jeu. Et on va voir le dorsal de la buteuse. Allez, c'est bien. Là, il faut la mettre dans la profondeur pour la coéquipière. Et la frappe directe, la toute première. Côté centrafricain, Roseli. On va continuer à temporiser un tout petit peu pour chercher des appuis. Allez, sur la droite, c'est avec Taiwo qui a levé la tête. Taiwo dans la profondeur. Est-ce qu'il y a une position d'enjeu dans la bite qui fait signe de jouer? Et le petit ballon subtil donné dans la profondeur derrière, c'était. Et serait Samuel. Attention avec ce ballon donné dans la profondeur. Est-ce qu'il y a un contact? Certes, il y a. La centrale, Ebna Ajbouni. Voilà pour Marie. Qui réussit à déposer sa vis-à-vis derrière. Elle trouve l'attaquante Chidera. Dommage pour la République centrafricaine avec Roseline Yangere. Allez, mauvaise combinaison derrière. Allez, c'est bien ce que fait Kato dans le cœur du jeu. Qui va jeter un coup d'œil du pied gauche qui va servir une coéquipière. On va aller rallonger jusqu'au couloir droit côté nigérian. Le petit contrôle, la fente, la frappe au pied gauche. Et c'est au fond. Incroyable but. Exploit individuel de la part de la joueuse nigérienne dans sa 17, Prisca Ukamaka, qui a réussi à déposer toute la défense centrafricaine derrière. Plat du pied gauche et cette même célébration, c'est pas trop le message qui est véhiculé, peut-être pour en solidarité aux nombreuses victimes du Boko Haram côté Nigeria. Ah, incroyable, incroyable attentisme de la part de la défense centrafricaine. Attention avec ce ballon côté Nigeria, la sortie de la gardienne et le troisième but, le doublé de la part du dorsal 9 à la personne de Chidera Harmony Chidi qui vient donc récompenser ses efforts. Derrière, c'est une défense centrafricaine quasi inexistante alors que nous. Pour une gamine qui a 16 ans et là un profil assez. Attention avec cette ouverture, le petit ballon entre les jambes et le Fagnon qui s'est levé. Pour sanctionner cette occasion de but. Allez, plus que 2 minutes dans le temps additionnel de cette opposition. Attention avec cette accélération et l'ascension. L'humiliation à la limite côté Nigeria et on aura tout à l'heure la même célébration. Et le point de chute, c'est devant l'entraîneur de cette formation. Président Célestin Yanidi qui est donc l'artisan du renouveau du sport Ukamaka. Nwachukwu, allez, coup franc pour Taiwo. Ah oui. Non, mais elle n'a pas touché le ballon, c'est. Il y a eu une petite. De voir comme réactivité, on ne l'avait pas en première période, elle était un tout petit peu timorée. Elles ont certainement dû avaler le stress à l'échauffement alors que c'est Ngaro Melvin qui semblait souffrir tout à l'heure. Le petit ballon dans la profondeur et l'arrêt finalement de temps, est-ce qu'il n'y a pas faute? Non, ça va faire un but à 0 alors qu'il y avait une revendication de la part des joueuses centrafricaines.
la gardienne centrafricaine qui semblait être prise au dépourvu sur ce ballon. Ah, et ça va sembler une véritable affliction désormais. Thomas rallongé du pied gauche, cette là dans la profondeur pour la double buteuse et la sortie. Bravo, bravo à Ketura Malenga. C'est coulé un peu d'encre et de salive, attention avec ce ballon dans la profondeur. Ah, c'était bien à la couche de sa coéquipière et derrière il y a une hors-jeu. Gaïssona n'est pas hors-jeu. Gaïssona qui a levé la tête. Ah oui, si, oui, finalement. Si, finalement, l'arbitre qui avait pris du temps. Statistico scoraire du Nigeria, la récupération dans la profondeur de Chidera Armoli et la faute, elle est importante cette faute de Stelle Pingimale face à Adjou qui se prépare donc à renvoyer deux autres joueuses sur l'aire de jeu. Alors qu'Oleduc, lui, il est stoïque sur quasiment son 11 de départ. Allez. Messieurs, on a une situation intéressante avec ce coup de pied à venir côté centrafricain. Et comme à chaque fois, hein, la patronne technique de cette formation. Alors ça dit. Allez. Le coup franc qui est beauté. Et c'est au fond, oh mon Dieu! Coup de pied canon pour le 6-0 de la part de Funky. Non, c'est plutôt Shakirat. Nigérien. Allez. Attention avec la déviation. Allez, corner. Attention avec cette échappée là-bas de la part de Eddie Dion, le centre au second poteau pour le Nigeria. Il n'y a personne, si la défense qui vient fermer un tout petit peu la balle qui va traîner à l'entrée de la surface d'opération. Il faut se parler, il faut se parler, dommage. À la Rémoise, rapidement joué par les amis du Nigeria. Attention avec ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface des réparations, dégagé. En catastrophe, Ngao. Allez. Elle s'en sort plutôt bien. Elle s'en sort ce petit ballon dans la profondeur pour Funke. Elle est par jeu. Funke, la frappe et la jambe droite de la gardienne qui permet de. Ah, le petit ballon en clochet bien dans la profondeur pour. Ah oui, il y a faute. Il y a faute sur Davila Dabio. Un rendez-vous à venir pour la Fédération centrafricaine de football en mars prochain au Sri Lanka. Lors des tournois, on l'a dit, on dira plus ou moins d'exhibition de la part de la Fédération internationale de football, association Koufouan à venir avec Yemele. Il va se lancer, ça c'est pour Dabio. La frappe pour Davila Dabio pour le premier tir cadré de cette son vis-à-vis. Et c'est terminé ici au stade de la réunification, défaite pour la formation.